Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc, j'avais la semaine, on est samedi 16 décembre, pardon. Semaine dernière, enfin, milieu de semaine dernière, j'ai essayé d'enregistrer un petit morceau de vlog en bas parce que je voulais justement vous montrer, je voulais vous montrer la suite donc, de mes plantations, puisque maintenant ils ont un peu poussé. Donc voilà, ça c'est le blé et derrière moi vous pouvez voir les lentilles. Vous les voyez mal parce que ça fait mal le focus. Voilà, donc elles ont super bien poussé. Les deux autres pots sont vraiment en bas. Voilà, donc j'ai failli filmer toute une partie. Après j'ai fait des updates, lectures, tout ça dedans. Et puis en fait, il y a eu un problème à l'enregistrement. Donc c'est absolument affreux. Donc voilà, du coup, vous ne verrez pas cette partie-là. Donc, je reprends ma caméra aujourd'hui et je vais donc vous parler des deux livres dont je vous avais parlé jeudi. Je vous montre mes petits blés. Donc, finalement, ça tombe plutôt bien parce que j'ai une incroyable nouvelle. Hier, j'ai reçu un message des éditions Addictive. Donc, c'est notamment les éditions Addictive qui publient tous les livres d'Emma Green, d'Erin Graham et encore bien d'autres. Et je serai partenaire pour l'année 2024. Donc, c'est une incroyable nouvelle. Je suis vraiment trop, trop, trop contente. J'y croyais pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'avais rempli le formulaire. Mais alors, vraiment, sans. En me disant bon qui tente rien à rien et puis voilà j'ai reçu ce message hier, j'étais en joie mais clairement. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce que va nous réserver cette année 2024 aux côtés des éditions Addictive, mais je pense que ça va être absolument génial. Donc pour vous parler un peu, donc je vous ai dit les auteurs, mais en fait c'est de la romance, de la new romance, de la dark romance, il y a aussi de la romantaisie. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous annoncer ça. Sinon, côté lecture. Donc j'avance, j'ai toujours résisté, hein, puisqu'on est le 16 aujourd'hui. J'ai pas encore ouvert le chapitre, je vais l'ouvrir tout à l'heure. Donc j'avance doucement. Alors je suis toujours sur le même, un petit peu sur le même truc, c'est-à-dire que voilà, ça me casse un petit peu ma lecture, ces chapitres par jour. Donc je sais que je vais pas me faire, je suis un peu à contre-courant, je vais pas me faire que des copines. Mais voilà, moi j'ai un peu du mal comme ça à laisser mes lectures et à les reprendre. Alors pourtant l'histoire est très sympa. Donc on va suivre Avril. Donc Avril est née avec un cœur défaillant. Elle a subi plusieurs opérations lorsqu'elle était petite. Et il y a un peu plus de 2 ans, elle a été transplantée. Et ça a créé en fait chez ses parents, enfin sa maman surtout, elle la surprotège. Donc, et puis même Avril, elle est vraiment en mode je vis à moitié, quoi, je fais toujours attention à tout. Quelque part, elle ne profite pas de sa vie alors qu'elle a 18 ans et qu'elle devrait quand même vivre un petit peu, mais sans prendre de gros risques. Mais voilà, donc elle se prive de beaucoup de choses. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et là, elle va passer 3 semaines de vacances chez son papa à Morzine. Donc déjà, ça par contre, j'adore. J'aime trop l'ambiance, station de ski. Ça me rappelle plein de souvenirs. J'aime énormément. Moi, je suis très montagne, je pense que vous le savez maintenant, je vous en avais déjà parlé. Et du coup, ça me plaît beaucoup cette ambiance, ben, l'ambiance qu'on retrouve en fait à la montagne, dans les stations de ski. C'est vraiment une partie de ma jeunesse et j'aime énormément. Et ben, on va suivre Avril, donc qui va retrouver un petit peu des gens qu'elle connaissait avant, notamment le frère de sa meilleure amie, Augustin. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus. Et Léa, donc sa meilleure amie. Et voilà, donc est-ce qu'on peut sortir avec le frère de sa meilleure amie? Ben, je ne sais pas. Vous le saurez en lisant Un cœur pour Noël de Sophie Jomain aux éditions Ozou, donc qui est sous forme de calendrier de l'Avent. Donc je vous referai là je vous ai fait un mini update. Donc on suit Léa, bien évidemment. On suit Léa, non. On suit Avril qui va petit à petit en fait un petit peu ben, lâcher prise et reprendre un petit peu goût à la vie, entre guillemets. Et voilà, c'est assez. Voilà, moi j'aime bien. C'est tout doux, c'est tout mignon. Et pour personne, ça reste vraiment du young adulte. Hein, voilà, il n'y a pas de truc hot. Hein, je vous le dis. Si vous cherchez ça, passez votre chemin. Mais c'est très mignon, l'ambiance est sympa. Et puis voilà, on retrouve la plume de Sophie Jomain. Donc ça peut être que bien. Hein, moi j'aime beaucoup, j'aime bien la plume de Sophie Jomain. Donc ça fait plaisir. Et je voulais vous dire autre chose. Donc voilà, là je vous en parlerai plus. Il reste une semaine de lecture, en gros, puisqu'il reste un plus que ça, deux, quatre.
6, 8, il reste 9 jours. Il reste 9 jours, donc je vous ferai un update complet quand je l'aurai totalement terminé. Sinon, j'ai également terminé hier Sans retour de Tom Clear Lake aux éditions Moonlight. Donc, je pense que c'est de l'auto-édition, enfin, c'est une petite maison d'édition. Ouais, c'est Amazon. C'est Amazon, donc c'est de l'auto-édition. Alors, donc, on est là sur un thriller, mais un thriller quand même, je dirais, horrifique. C'est un beau bébé qui fait 640 pages, je crois. Tac, tac, 600... ouais, 625 pages. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez costaud. Alors, c'est assez étrange parce que j'ai eu la sensation de lire plusieurs livres avec ce livre. Parce qu'il est divisé, si je ne dis pas de bêtises, il doit être divisé au moins en... je dirais 4 parties. Donc, pourquoi ces 4 parties? Alors, il y a une première partie. En fait, en gros, on va... En gros, je vais vous expliquer ça. John Garner, c'est un dirigeant de société. Donc, c'est aux alentours de Portland que ça se situe. Et il a hérité, en fait, d'un lodge dans les Rocheuses de son oncle. Et il va inviter ses amis, ses collaborateurs et sa famille dans ce lodge à passer une semaine. Donc, on est en plein milieu des Rocheuses. Il va se déclencher pendant qu'ils sont sur place un blizzard avec une tempête de neige qui va les bloquer. Ça va casser l'antenne sur le toit. Ils vont se retrouver complètement coincés dans ce lodge. Impossible, bien évidemment, de partir de là puisqu'il y a de la neige jusque-là et un vent où on n'y voit rien, il y a du brouillard. Plus, ils peuvent contacter personne, évidemment, puisqu'ils peuvent même pas appeler, entre guillemets, mais ils peuvent même pas appeler les secours. Donc, ils vont se retrouver coincés. Donc, on l'a compris, on va partir sur un huis clos. Mais c'est plus compliqué que ça. Donc, on a une première partie qui va nous montrer un petit peu le sauvetage. C'est-à-dire le moment où le blizzard s'arrête et que les gens se disent « Ah, mais lui, en fait, c'est son secrétaire, je crois, ou un de ses employés qui dit « Mais ils sont dans le lodge, on n'a pas de nouvelles, on n'a plus aucun contact, tout ça, donc on va envoyer des secours, on va les récupérer. » Quand on les récupère, ils sont restés coincés 18 jours, donc autant vous dire qu'ils sont dans un état pitoyable puisqu'ils n'avaient plus... ils n'avaient plus rien pour manger, enfin bon, c'était très compliqué, on va dire, on parle clairement de survie. Sauf que normalement, ils étaient 18 et que quand ils vont les récupérer, il manque 5 personnes. Alors, ils disent tous qu'ils sont partis pour essayer de trouver du secours, mais on ne les a jamais, bien évidemment, retrouvés. Donc, on a cette première partie sauvetage. On a une deuxième partie où on va aller passer ces 18 jours avec eux dans le lodge. Et là... Préparez-vous parce que je vous jure que voilà, on va voir vraiment jusqu'où l'être humain peut aller. Et croyez-moi, c'est pas joli, joli. Donc on est vraiment, vous vous doutez bien, 18 jours coincés, sans nourriture, sans rien, en mode un petit peu complètement. Ils doivent rester entre eux. Vous pouvez imaginer les conflits qui peut y avoir. Enfin, tout ce qui peut se passer. Voilà, je vous laisse imaginer. Je ne veux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Et ensuite, on revient à après. C'est-à-dire qu'on va les retrouver après le sauvetage où tout le monde s'interroge. Mais que s'est-il passé? Où sont passées ces 5 personnes? Pourquoi sont-ils dans un état autant dégradé? En fait, on veut savoir ce qui s'est vraiment passé dans ce lodge. Et après, il y a une dernière partie. Alors, celle-là, je ne l'attendais pas du tout. Voilà, parce que bon, au final, je me demandais vraiment, vraiment où l'auteur allait nous mener. Mais voilà, c'était vraiment très recherché. Après, je ne veux pas vous en dire plus. C'est très, très bien articulé. J'avoue, la construction du roman. Alors, il est long. Je vous dis, je vous cache pas le contraire. Moi, il y a même quand même... J'ai trouvé quand même quelques longueurs. Mais l'intrigue est dingue et surtout la construction du récit, elle est dingue. Vraiment, voilà, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup. Après, sachez quand même que vous êtes sur un thriller horrifique. Donc il y a vraiment des passages qui peuvent heurter la sensibilité, votre sensibilité si vous êtes, voilà, si vous craignez certaines choses. Il y a quand même des passages un petit peu hard. Mais l'intrigue est vraiment très très bien articulée.
Je voyais pas cette dernière partie, j'avoue qu'elle m'a vraiment surprise, j'imaginais pas ça du tout. Et il y a un petit parallèle à la fin que j'ai beaucoup aimé. Alors je vais pas vous dire ce que c'est, mais soyez attentifs, dans les premiers chapitres, y a quelque chose qui va ressortir sur notamment la société de John Gardner, de quelque chose qu'il aurait fait. Et on va trouver cette morale, et ça va, vous allez retrouver ça à la fin en fait, en mode vraiment un petit peu moral. Et il y a une jolie morale à ce livre, enfin c'est bizarre de dire ça dans un thriller, mais j'ai bien aimé la moralité qu'il y a à la fin en fait, voilà. Donc moi je dirais qu'il y a des choses dont on se remet jamais, et que parfois on n'a pas besoin de beaucoup pour vivre, enfin de beaucoup, quand je dis de beaucoup c'est que il faut savoir garder ses valeurs dans la vie. Voilà, bon, je pars un petit peu loin, mais voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti à la fin du livre et dans l'épilogue. Enfin, voilà. Donc, je vous laisse le découvrir. Je remercie encore une fois Tom Kerlake pour l'envoi de son roman. Voilà, donc je vous en parle ici, puis je vous en reparlerai sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, il faut que je vous rédige ma chronique. Mais voilà, c'est un thriller. Si vous aimez les thrillers un petit peu horrifiques, que vous n'avez pas peur d'attaquer des gros pavés, franchement, allez-y, ça vaut vraiment le détour, c'est très bien écrit. Comme je vous dis, j'ai trouvé quelques petites longueurs, mais vraiment, voilà, ça s'articule très bien, c'est très, c'est, voilà, le puzzle est quand même très très bien construit, et j'aime bien, moi, après, à la fin, quand tout s'assemble comme ça. Donc, alors, ensuite, j'ai attaqué The Bucket List de Alice des Merveilles aux éditions Plume du Web. Donc c'est le premier tome d'une série Heart Player, mais je crois que la suite n'est pas encore sortie, ça vient de sortir. Alors déjà, la beauté de l'objet livre, il est magnifique. Alors pour tout vous dire, je l'ai vu passer sur j'avais vu passer sur le compte d'Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire, que je vous parle assez souvent. Je l'ai vu passer, elle était en train de le lire en fait, et elle m'a dit ouais, c'est pas mal et tout ça et tout. Puis une semaine après, je crois que je vais en librairie et je le vois dans le rayon. Et en fait, j'ai même pas percuté sur le coup que c'était celui-là, c'est après que j'ai réalisé. Je vois, je craque pour le livre. Toujours pareil, hein, je suis très. Voilà. Je craque pour le livre parce que vraiment, cette version, je la trouve trop belle. La couverture, elle est absolument magnifique. Et voilà, j'ai craqué pour le livre et je l'ai attaqué. J'en suis déjà à plus de la moitié. Voilà, je l'ai bien. Je l'ai bien entamé. Alors là, on est sur une romance. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Lily a tout pour être heureuse. De bonnes notes à la fac, un environnement familial sain et une carrière de médecin en perspective. Seulement, elle est trop sage, trop sérieuse, à l'inverse de son frère Kylian qui part en vrille depuis la mort de leur père. Alors, sa meilleure amie décide de lui concocter une bucket list. Adulée, méprisée, Mal est la star montante du foot quarterback. Quarterback de l'une des plus grandes équipes de l'histoire, les New York Giants, mais les apparences sont parfois trompeuses. Et s'il sait bien une chose, c'est que le succès ne rime pas toujours avec bonheur. Quand la petite sœur de son coéquipier débarque dans sa vie, il comprend vite qu'elle le déteste. Et ça l'amuse beaucoup, jusqu'à ce qu'ils doivent jouer les babysitters. Et qu'il ait besoin de son aide. Accepter son chantage, pas le choix. Accepter qu'elle emménage au sein de la colocation de footballeurs, c'est tout de suite moins drôle. Mais Maël n'est pas du genre à se laisser faire et il compte bien montrer à cette petite peste qu'il ne cédera pas à ses caprices. Alors franchement, j'aime beaucoup. Je passe un très très bon moment. Je me suis de suite attachée à Lily. Je la trouve pétillante. Puis voilà, là on est vraiment sur quelque chose. Alors on est sur un ennemi two lovers. Vous l'aurez compris, puisqu'elle le déteste cordialement, quoi. Elle le déteste. Donc il y a plein de trucs qui sont vraiment très très drôles. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est toute la tension qu'il y a entre eux. On sent vraiment cette attirance, ce désir, limite, c'est incandescent, quoi. Voilà, on a vraiment cette sensation que ça peut prendre feu. Et j'aime énormément. Donc, on alterne entre des chapitres consacrés à Maëlle et des chapitres consacrés à Lily, chose que j'adore. Et voilà, on apprend à les découvrir. Lui, c'est pas le
quarterback sans cervelle qu'on s'imagine au départ. Lily, on se rend compte que sous des apparences de fille ultra occupée, toujours hyper réglée, elle a plein de failles en fait, et elle a plein de choses au fond d'elle. Et puis vraiment, ce jeu entre eux, ça faisait longtemps que j'étais pas tombée sur une romance comme ça, où je trouve que le jeu entre les deux persos est juste mais torride. Mais torride, c'est très, très. Il s'est. Plus de la moitié, c'est rien passé, quoi. Voilà. Mais moi qui normalement aime pas quand c'est trop lent. Mais là, on sent qu'il y a tellement, tellement. Voilà, on sent qu'ils peuvent prendre feu, quoi, presque. à un moment donné. Donc voilà, j'ai hâte. J'espère que je vais arriver à le terminer aujourd'hui. J'ai trop, trop hâte de finir la fin. Et apparemment, il y a un tome 2 qui est prévu sur d'autres personnages. Ah ben voilà. Donc, c'est quoi Tsenid Earthplayer. Ah non, il y en a d'autres. Alors, romance contemporaine, trop romance, suspense. J'aurais aimé savoir, en fait. Il faut que je cherche pour savoir quand c'est que sort le tome 2. Ou que je demande à Aurélie, parce qu'Aurélie doit sûrement savoir. Mais voilà, je prendrai le tome 2 et bien évidemment, je le prendrai aussi dans sa version hardback parce qu'ils sont absolument trop, trop beaux. Sinon, ce matin, je suis allée en librairie. Non, j'ai pas acheté de livres. C'est des cadeaux. On me les a offerts. Bon, c'est pareil, vous me direz, ils vont quand même atterrir dans ma palle pour le coup. Alors... C'est deux lectures complètement différentes que j'ai prises et celle-là est totalement différente. Je crois que sur ce compte, j'ai encore jamais lu de choses de ce genre-là. Donc, c'est une dystopie. Vous l'avez sûrement vu et revu passer. Donc, c'est Absolu, les mobilisés de Margot Dessen. Donc, c'est le tome 1 aux éditions Big Bang. Pareil, j'ai pris la version... Bon, il n'y a pas de jaspage, mais voilà, j'ai pris la version hardback parce que je trouve trop beau. Je suis de plus en plus fan, surtout alors à cette période-là, quand on va en librairie, il n'y a que ça. Donc, c'est une dystopie et ça fait très longtemps. J'ai encore Hunger Games dans ma... Oui, non, j'ai toujours pas lu Hunger Games parce qu'en fait, je les ai achetés. J'avais regardé les films juste avant, donc depuis, je les ai mis de côté. Bon, maintenant, ça doit faire 3, 4... 4 ans, je crois. 3 ans ou 4 ans qui sont dans ma palle. Mais par contre, j'ai lu Divergente, Labyrinthe. J'en ai lu d'autres encore. Je sais plus. J'ai lu Les 100. Ben voilà, j'aime bien la dystopie. Après, j'en lis pas tout le temps, mais de temps en temps, j'aime bien. Et là, je me suis dit, ah, celui-là quand même. J'ai vu passer un retour du tome 2 sur le compte de Cocon Littéraire. Et je me suis dit, non, il faut que je teste. Donc voilà, j'ai pris que le tome 1. J'étais sage parce que normalement, j'achète toute la saga quand c'est comme ça. Mais là, je n'ai pris que le tome 1. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Hérite, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où roi de la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone. Personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edouard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire, et phénomène de plus en plus étrange, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Bon, c'est un beau pavé quand même, hein. Ce qui fait plus de... Ah oui, 540 pages, hein. 540 pages, mais bon, c'est du young adulte, donc en général, ça se lit relativement bien. Non, j'ai très envie, je pense que je vais le caler rapidement, je pense. Ensuite, j'en ai pris que deux, hein, j'étais sage quand même. Et ensuite, je me suis pris... alors, il ne tentait pas du tout quand il est sorti, j'avais vu des retours, tout ça. Mais là, j'ai vu qu'il y a le tome 2 qui est sorti, donc c'est Twisted Love, c'est le premier, de Anna Huang. J'avais lu un livre, j'avais lu une romance d'Anna Huang l'année dernière et c'était The Kiss Quotient, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Et voilà, j'avais envie de tenter, donc je vais pas vous lire la quatrième parce que je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Mais voilà, donc j'ai pris celui-là que j'ai envie de tenter aussi. Et s'il me plaît,
ou même s'il ne me plaît pas plus que ça, je pense que je prendrais quand même le tome 2. Mais j'étais très sage parce que les deux, il y avait les deux tomes et j'en ai pris que. Voilà. Donc c'est pour ceux qui me posent toujours plein de questions sur ma palle. Donc voilà, je pense qu'on est à 300 là, du coup, on n'est pas loin. Hein. On doit être pas loin des 300. Bah écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. J'ai bien parlé, oui. Je vois le compteur qui tourne. Je pense que j'ai plutôt bien parlé pour cette première journée. Et je vous dis à très vite. Et coucou, on est le dimanche 17 décembre. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous me voyez en tenue de dimanche. Mais voilà, je vous avoue, j'avais pas du tout envie. J'avais vraiment la flemme de m'habiller juste pour filmer ce petit morceau de vlog. Et je me suis dit, bah, de toute façon, voilà, au moins vous me voyez dans mon état, dans mon état naturel. Donc en fait, je vous reprends aujourd'hui pour plusieurs choses. Alors déjà, parce que cette semaine, ça va être très short au niveau du temps. Donc j'aurai pas beaucoup de temps à consacrer à l'enregistrement des vidéos. Et hier, j'ai oublié de vous montrer le calendrier de l'Avent de Petroni, du compte dans tous mes états. Donc j'ai complètement zappé, pourtant j'avais tout préparé, parce qu'en plus alors maintenant j'ai tout organisé différemment. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais j'ai ici, j'ai mis en fait tous les livres du mois. Donc comme ça je les ai apportés, puisqu'avant vous vous rappelez, ils étaient tac tac tac, je ne sais pas si vous voyez, ils étaient là derrière. Ils étaient juste là derrière. Et puis, au final, j'ai préféré mettre des livres et garder les livres du mois, en fait, que je lisais au fur et à mesure pour après pouvoir les ranger en fin de mois. Donc, un peu de soleil aussi. J'ai pas fermé le volet, mais bon, on fera avec. Alors, on va commencer par le calendrier. Je vais essayer de les remettre dans l'ordre. Alors, le 14, on a eu un joli marque-page. J'adore. C'est un petit marque-page avec un petit bonhomme de neige qui apparemment a eu un petit souci. Et derrière, on a l'autocollant de la boutique de Petronille. Alors, c'est cool, je vais pouvoir les récupérer. Et celui-là, je l'adore. Il est trop beau, Noël. En plus, je vous les montre. Moi, je vais pouvoir l'utiliser aujourd'hui, celui-là, parce que bah, du coup, je les utilise pas, parce qu'à chaque fois, j'attends pour vous les montrer. Alors, ensuite, hier, on a eu un petit bracelet trop mignon. Mon chapitre. Alors je vais essayer de vous le montrer correctement parce que tac tac, voilà, ça devrait être à peu près pas trop mal là. Hop, voilà, donc un petit bracelet. Alors je vous montre un petit comme ça, petit bracelet en tissu avec de la corde, un petit fermoir. Voilà, il est trop trop mignon. Ça me fait penser à des choses que j'ai pu faire fut un temps et j'adore. Et aujourd'hui, un joli marque-page avec un pompon gris. Hop, trop beau, avec le sapin de Noël et les petits lutins de Noël. Voilà, donc ça c'était pour tous les gains du calendrier de l'Avent. Il reste pas beaucoup de cases du coup, hein. Là ça y est, ça approche, je vois que l'arbre et c'est tout, il n'y a plus grand-chose dessus. En tout cas, c'était vraiment trop trop sympa. Un grand merci Petroni d'avoir créé tout ça pour ce calendrier d'Avent. Vraiment, j'adore, je suis ultra fan. Alors, sinon, hier je vous parlais de The Bucket List de Alice des Merveilles aux éditions Plume du Web. Et hier soir, je l'ai, enfin hier, je l'ai terminé, donc j'en avais déjà lu à peu près la moitié. Hier, je l'ai littéralement dévoré. Ce livre est quand même assez gros. Je l'ai dévoré en 2 jours. J'ai adoré. Vraiment, si vous cherchez une romance Enemy to Lovers avec un slow burn, mais un slow burn qui va vous, qui va vous mettre dans une tension impressionnante parce que vraiment, la relation entre nos deux personnages est. Et électrique au possible. Ils se détestent, mais ils s'attirent comme des aimants. C'est absolument hallucinant. On est vraiment sur une romance sexy. Et j'ai adoré parce que il n'y a rien de. C'est hot. Voilà, je ne vais pas vous cacher, c'est quand même assez chaud parce qu'il y a quand même des passages voilà, où vous allez dire oulala. Mais ça reste très mignon, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est bizarre ce que je vous dis. Et en plus de ça, c'est super drôle. Je crois que j'ai jamais relevé autant de citations. Alors, c'est dommage, je les ai notées sur mon compte Babelo directement, en fait, au fur et à mesure.
de ma lecture puisque j'avais mon téléphone à côté de moi, mais j'ai relevé tout un tas de citations. J'ai adoré. Donc on va suivre Lily. Alors Lily, c'est une jeune femme qui a, je crois, elle a 18 ans à peu près, 18 ou 19 ans. Et Lily est un peu maniaque du contrôle, elle est très psychorigide, tout est programmé, elle a une liste pour tout, elle a un planning pour tout, enfin bon, c'est... Voilà, elle est très... elle prend pas beaucoup le temps de vivre et de s'amuser. Et sa copine Sarah, en fait, la met au défi de faire une bucket list et de réaliser des choses un peu folles, justement, pour contrecarrer ça et pour qu'elle vive un petit peu. Et dans ce truc-là, en fait, Lily, elle souffre énormément parce que son frère s'est éloigné d'elle et elle est persuadée que c'est à cause de Maël qui est le... comment on dit ? Oh là là. En fait, c'est le capitaine de l'équipe de... je vais y arriver, hein. L'équipe des Giants, une grande équipe de l'histoire, bon, enfin... Oui, du foot, voilà, pardon. Donc, c'est le capitaine de l'équipe de foot dans laquelle joue son frère. Et elle est persuadée que c'est à cause de Maël qu'elle ne voit plus son frère et qui, en fait, qui lui fait faire des choses qu'il ne devrait pas. Donc, elles font cette bucket list et elles se rendent à une soirée, en fait, où il y a tous les joueurs de l'équipe, dont Maël et dont Kylian, son frère. Et elle va faire un pari fou avec Maël d'aménager chez eux. Enfin, bon, il se passe plein de choses. Je ne veux pas tout vous raconter non plus. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle va faire un pari où elle va dire on va s'installer chez vous. Et vous, plus de sexe, plus de drogue, plus d'alcool, plus de sorties, plus de fêtes. Enfin, bon, tout ça. Bon, voilà. De là, ils vont se livrer une guerre, mais sans nom. Voilà, on avait l'impression. Et en fait, donc je passe un peu du coq à l'âne. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, pour le coup, c'est que... On suit ces deux personnages, mais on suit aussi tout ce groupe d'amis. Et on a l'impression de faire partie d'une famille, on a l'impression d'être avec eux. Ils ont tous un tempérament différent. Ils sont tous très complémentaires. Voilà, on fait plein de rencontres, en fait, dans ce livre. Et voilà, moi, l'histoire entre Maëlle et Lily, vraiment, elle m'a littéralement fait fondre. J'ai adoré. Ça faisait vraiment longtemps... que j'avais pas lu une romance un petit peu comme ça qui a autant de peps, c'est où je me sens, je n'ai même pas lu vite au final, j'ai l'impression de l'avoir dévoré, mais pourtant j'ai pris mon temps parce que j'ai relevé plein de citations, j'ai savouré cette histoire, je voulais voilà, je me disais mais à quel moment enfin ils vont passer à l'acte, à quel moment ils vont enfin, enfin bon, voilà, c'était vraiment génial. La bonne nouvelle, c'est que je pense que ça va être, il va y avoir plusieurs tomes. Alors là, c'est sûr, il y a un deuxième tome qui sort, je crois, au mois de janvier, qui sera consacré à Ted, donc qui est un aussi des joueurs de l'équipe de quarterback, et d'Ashley aussi, qu'on rencontre dans ce tome. Ashley a l'air d'avoir une personnalité assez particulière. Au même titre que Maëlle et Lily, donc Maëlle qui est pour elle l'ennemi détestable, le connard de base, mais en fait on se rend compte que ben, Maëlle il cache beaucoup de choses, qu'il a beaucoup de choses au fond de lui et qu'il n'est pas forcément le reflet, qu'il n'est pas forcément ce qu'il reflète. Moi vraiment j'ai adoré Maëlle, hein, je vous le dis honnêtement, waouh. Voilà, j'ai adoré ces deux personnages, j'ai adoré l'histoire. Si vous cherchez une romance sexy, Enemy to Lovers, avec un slow burn qui va vous faire monter en pression jusqu'à la fin, allez-y, foncez et lisez ce livre. Donc ça, c'était pour donc, ma dernière lecture. J'ai aussi lu le chapitre hier de la romance de Sophie Jomain. Je n'ai pas avec moi là, mais voilà, bon, je vous en parlerai plus tard. Et sinon, ce matin, j'ai eu le temps de commencer Absolu, tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen aux éditions Big Bang. Donc comme je vous disais hier, puisque je vous ai lu la quatrième de couverture, on est dans une dystopie. Alors j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 67 pages, donc c'est pas énorme, on va dire, par rapport à la taille du livre, c'est pas fou. Donc pour l'instant, j'essaie de rentrer dans l'univers, de découvrir un petit peu les personnages. On est sur... alors je ne sais pas en fait si on est sur un... Oui, on est je pense dans une situation post-apo. Entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Bon, alors en vrai, j'ai la sensation d'être un petit peu dans un mélange de pas mal de livres dans le genre que j'ai lu. On a un petit côté Hunger Games, puisqu'ils vont être choisis pour aller affronter la chose, entre guillemets. On a un petit côté Divergente,
Et labyrinthe aussi, je dirais. Alors le côté divergente, c'est pour parce que tout le monde est classifié, ils décident pas vraiment de ce qu'ils font. Là, ils ont été choisis comme dans Hunger Games, ils doivent partir affronter, ils doivent rentrer dans cette ville. Alors pour l'instant, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai lu 67 pages, donc j'essaie vraiment de rentrer dans l'histoire, de me familiariser avec l'univers, de comprendre ce qui a pu se passer. Alors j'ai un peu peur, comme c'est souvent le cas avec les dystopies, de pas forcément savoir ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Voilà, et ça me dérange à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, moi j'aimerais quand même avoir un petit état de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Mais bon, ça me semble bien parti parce que j'ai lu ces 67 pages vite fait. Enfin, vite fait. J'ai lu ce matin, voilà, j'aime bien quand je suis à la maison le week-end. C'est vraiment mon plaisir de pouvoir lire au moins 1 heure le matin avant de me mettre entre guillemets, en route et de faire tout ce que j'ai à faire chez moi. Donc voilà, c'était cool ce matin, j'ai commencé ça. Et cet après-midi, j'espère bien avancer. Et bien évidemment, je reviens vous en parler très très vite. Pour l'heure, je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est le mercredi 20 décembre, donc ça y est, on approche, là, on est vraiment proche Noël. Donc vous avez dit, cette semaine, ce serait compliqué pour filmer, donc c'est vraiment le cas, puisqu'on est mercredi, je vous reprends à peine aujourd'hui. Bon, et puis de toute façon, en étant honnête, j'ai à peine terminé hier soir Absolu, les mobilisés, le tome 1, et j'ai juste une seule envie, c'est courir chercher le tome 2. Mais avant de vous parler de ça, je voulais vous montrer ce que j'avais mis dans le calendrier de l'avant de Petronille du compte dans tous mes états. J'ai perdu l'intérieur. Donc là, c'est emballé. Donc je vais essayer de pas le casser, mais je suis pas arrivée. Donc c'était emballé là-dedans. Donc c'est un petit marque-page. Voilà, avec les reflets là. Voilà. Donc c'est super chouette. Il est tout plastifié en plus. Au moins, il s'abîmera pas celui-là. Ensuite, alors là, j'ai eu un truc ultra utile d'ailleurs. Je me languissais de vous montrer pour le récupérer et le mettre, bien évidemment, dans mon essuie à lunettes. Donc c'est en plus assorti. J'avais pris cet été le marque-page de lectrice sensible. Donc c'est assorti. C'est trop cool. Donc ça, c'était la case 19. Et ce matin, donc la case 20. J'adore. Il est trop beau. J'aime beaucoup le graphisme dessus. Donc voilà, là ça sent vraiment la ferme. Parce que du coup il reste 4 paquets. Donc voilà, malheureusement c'est quasiment terminé. J'ai reçu aussi un livre. Enfin non, deux en fait, puisque j'ai pris aussi le tome 2. Les couvertures elles sont sublimes. Donc ça bien évidemment, j'ai totalement été influencée par Manon du compte Les Lectures de Manon. Qui en a parlé à plusieurs reprises dans ses vidéos. Et j'ai craqué, j'ai fini par le commander. Alors je voulais vous lire je vais vous lire la quatrième de couverture, mais elle ne dit pas énormément grand chose. Donc c'est The Prison Heller de Lynette Nouni aux éditions Hachette. La guérisseuse de Zalindov. Alors, le message était clair. Ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le souffle coupé. Qui voit, enfin, alors déjà que j'ai pas les lunettes, c'est en plus écrit en surbrillance. Alors, qui voit se répétant en boucle ces deux derniers mots. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse, mais une annonce imminente. Sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour qui voit, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. Voilà. Donc la couverture, vraiment, je vous remontre. Elle est trop trop belle. Et pour le deuxième, c'est pareil. Donc je vous lis pas le. Hop. Voilà. Donc c'est une saga fantasy. Je ne sais pas du tout combien de tomes sont prévus. Je ne sais pas. Ah bah il y en a apparemment. Non. Je ne sais pas. Donc voilà. En tout cas, ils sont très très beaux. Et j'ai vraiment hâte. Donc je dois les lire normalement. Je dois attaquer le premier tome au mois de janvier avec Sybille du compte Sunset Avenue, que je vous parle souvent aussi. Allez voir sa chaîne d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup sa chaîne, comme celle de maman d'ailleurs. Donc voilà. Bon, par contre, bien évidemment, si vous ne voulez pas finir par faire une commande sur Amazon, je vous déconseille de regarder sa vidéo forcément, puisque ça finit bien souvent cette année. Je crois que Manon a quand même influencé pas mal de mes achats. Mais bon, c'est pas grave.
Alors, ensuite, je vais vous parler de ce tome-là. Donc là, on est sur une dystopie. Alors, je vous avais lu la quatrième de couverture. Je vous en ai parlé au tout début que j'ai commencé ma lecture. Donc, je démarrais à peine. J'avais lu, je crois, près 70 pages, je crois. Donc, c'est un univers qui est absolument dingue. C'est ultra dense. C'est très développé. Vraiment, l'auteur a mis le paquet. Voilà, moi j'ai souvent un petit peu peur quand j'attaque des dystopies. Alors déjà, parce que souvent, ben, on ne sait pas ce qui s'est passé avant pour en arriver là. Donc ça m'agace. Et pourtant, c'est pareil dans toutes les dystopies. Donc c'est moi, en fait, qui me fais mon film toute seule, qui aimerait voir l'avant. Oui, tout ça pour vous dire. Et donc, je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc, on est dans une dystopie. C'est un monde à peu près post-apo, je pense. On est vraiment sur du post-apo, je pense, hein, puisqu'on ne sait pas. On est en 2000... je crois qu'à un moment donné, ils parlent de 2050 ou un truc comme ça. Mais je crois que c'est en 2050 qu'ils ont construit le fameux mur qui renferme la chose. Donc, la ville est complètement ravagée. Il y a une partie qui a été... Une partie de Varsovie, en fait, qui a été... Enfin, la ville de Varsovie a été entourée d'un mur... Parce que dedans, justement, il y a cette fameuse chose qui s'est échappée dans le laboratoire. Donc, c'est quelque chose qu'ils doivent combattre. Et tous les ans, on en voit 100 mobilisés, en fait, qui sont pris un petit peu au hasard dans les dans la population des rites. Enfin, dans la population, c'est quand même assez cloisonné quand même au niveau de la population. Et ils sont envoyés dans cette... dans cette zone, mais jamais personne n'est ressorti. Donc là, c'est la 20e génération qui va partir, donc dans laquelle on va retrouver Prime, Johanna et Edouard, qui sont un petit peu les persos principaux de ce tome-là. Donc ils vont partir dans cette zone, ils sont mobilisés. Alors pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, mais Edouard, lui, ne sait absolument pas pourquoi il va atterrir là-bas. Donc, ils vont, Prime et Johanna se connaissent depuis qu'ils sont enfants et ils vont se lier avec Edouard. Mais en fait, on se rend vite compte que le plus gros danger dans la zone, c'est pas forcément la chose, mais c'est aussi tous les clans qui se sont formés au fil des générations de mobilisés. Et il y a une véritable guerre de clans à l'intérieur. Il y a 4 clans, alors c'est pas vraiment, il y a, on va dire 3 clans plus les errants. Donc, les errants, c'est ceux qui n'ont jamais vraiment quelque part trouvé leur place et qui vivotent. En se déplaçant rapidement. Donc l'univers, quand je vous dis l'univers est dense, il est vraiment très très dense. On va apprendre plein de choses. Après, je ne veux pas trop vous en dévoiler parce que ça gâcherait clairement votre lecture. Mais il se passe vraiment vraiment plein de choses. Alors sans parler d'action, hein, je parle de choses qui se passent dans la zone, notamment. Ça, on le découvre assez rapidement. En fait, il y a une mutation qui survient souvent dans la première année où ils arrivent dans la zone. Et cette mutation est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que soit elle va leur permettre d'acquérir un don un petit peu surnaturel ou un petit peu puissant, soit ils vont mourir parce qu'ils vont finir, comme ils disent, dégénérés. Et ils sont souvent abattus. Donc, c'est assez violent quand même. On n'est pas dans un truc tout doux, quoi. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans l'histoire, alors parce que justement il y a beaucoup de choses, et surtout ce qui m'a perturbée, c'est que moi j'étais partie sur Prime et Johanna, et en fait pas du tout. Les chapitres alternent avec plein de persos, c'est-à-dire donc Prime, Johanna, Edouard, mais aussi d'autres qui arrivent par la suite. Je ne vais pas tous vous les citer parce que je ne veux pas vous dévoiler l'histoire, mais pour le coup, ben, l'auteur, elle donne la parole un petit peu à tout le monde, enfin à tout le monde, à beaucoup de personnages, ce qui fait que on peut vite se perdre, il faut quand même arriver à rester. Donc je l'ai lu assez lentement, j'avoue. Bon, quoique pas tant que ça, puisque j'ai lu sur 3 jours, sachant que lundi, mardi, je travaillais. Donc ça va, c'est pas non plus fou, il fait 540 pages. Mais voilà, j'ai quand même pris mon temps à certains moments, ben, parce que je voulais pas me perdre, en fait, avec tous ces persos, avec tout ce qui se passait, avec tous les conflits et la fin. Non, mais pourquoi cette fin? Pourquoi? Alors, je suis contente de l'avoir démarré tard, finalement, cette série, parce que du coup, le tome 2 est dispo, donc je vais aller me le prendre en librairie. Très rapidement, parce que je veux le lire rapidement, puis je veux pas oublier parce que j'ai rien noté. Si j'avais su, j'aurais pris un petit peu des notes, je pense, sur cette lecture, notamment sur les personnages et tout ça.
Mais donc voilà, je suis allée me le prendre rapidement et j'espère le trouver en jolie version comme ça. Mais voilà, c'est vraiment, si vous aimez les dystopies, je vais vous dire, si vous avez aimé Divergente, Labyrinthe, Hunger Game, allez-y, foncez, parce que c'est un peu un mix. Je dirais, c'est un peu un mix, il y a un peu un côté. J'ai retrouvé pas mal de similitudes avec toutes les dystopies que j'avais lues. C'est pas du tout une critique ni un reproche, au contraire, puisque c'est des choses que j'ai aimées. Alors, comme je vous disais, Hunger Game, moi, je l'ai pas lu encore. Il est dans ma palette, je l'ai juste vu. Mais par contre, j'ai lu Divergente, j'ai lu Labyrinthe, j'ai lu Les Sangs, j'ai lu La Révolution d'Ivy ou le livre d'Ivy, je ne sais plus vraiment. J'en ai lu quand même pas mal. Et voilà, j'aime beaucoup cet univers. Et j'étais très contente, vraiment je regrette pas du tout de m'être lancée dans cette saga. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus, j'avais dit je regarderai mais j'ai pas regardé. Donc je sais qu'il y a un tome qui est sorti là récemment, donc je vais aller me le prendre. Et après je ne sais pas s'il y a sûrement qu'il y a d'autres tomes qui sont prévus derrière. Hein. Mais voilà, j'aime bien. C'est très construit, c'est très développé parce que bah, par exemple... pour vous dire, voilà, la The Revolution of Ivy, j'avais beaucoup aimé, mais c'est pas une construction de ouf. C'est quand même, ça reste très, très jeunesse. Ça aussi, c'est du jeunesse. Après, il y a Phobos aussi en dystopie. Enfin, ouais, je sais pas, non, Phobos, c'est pas vraiment une dystopie. On n'est pas vraiment sur une dystopie, puisqu'il n'y a pas eu de post-apo, mais enfin, c'est quand même assez fantastique, on va dire. C'est vraiment un univers fantastique, et Phobos, j'avais vraiment, vraiment adoré. Après, il y a Vampiria, mais Vampiria, c'est une uchronie. Mais voilà, c'est des univers que j'aime bien, en règle générale. Tout ce qui fait un peu de choses qui auraient... Et pour bizarrement, j'aime pas forcément tout ce qui est science-fiction pure. Mais tout ce qui est univers dystopique, uchronique, j'aime bien. Voilà. Et là, vraiment, j'ai trouvé tout ce que je cherche dans le genre, tout ce que j'aime retrouver dans le genre. Donc c'est pour ça que je vais foncer me prendre le deuxième tome de ce pas. Alors je ne suis pas sûre que je l'attaquerai de suite comme je vous disais. Je ne sais pas ce que je vais lire ce soir parce que là pour le coup ben, j'ai plus de lecture en cours. Je suis à jour, j'ai lu mon chapitre d'Un cœur pour Noël de Sophie Jouvin. Je vous avoue j'ai hâte d'arriver à la fin là, parce que... bon c'est vraiment très jeunesse et puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui m'agacent et qui me font lever les yeux au ciel. Alors même si certes c'est destiné à un public jeune, l'héroïne Avril est censée avoir 19 ans, on dirait qu'elle a 12 ans. Du comportement de ses parents, du comportement des gens autour d'elle et ça, ça commence vraiment vraiment à m'agacer donc voilà. J'ai hâte d'arriver au bout. Donc ça sera le dernier vlog avant Noël puisque celui-là vous l'aurez vendredi. Je vais le clôturer maintenant parce que il n'y aura pas de, j'aurai pas de truc de fou à vous raconter demain. Et j'hésite encore à faire un vlog la semaine prochaine parce que je ne sais pas si j'aurai le temps. Je suis en congé, je ne sais pas où je vais trouver le temps de filmer en fait entre les fêtes, entre le fait que je sois en congé, pas toute seule. Enfin bon voilà. Mais je vais quand même essayer de sortir un petit truc. Et puis surtout, bah, je commence à préparer mon bilan. Et là, c'est très compliqué parce que j'ai lu quand même beaucoup cette année. Et que je peux pas me dire, comme je fais souvent, je sors 10 livres. Non, là, je peux pas sortir 10 livres sur 180, plus de 180 lectures. Je peux pas sortir que 10 livres, en fait. Ça fait un trop petit pourcentage. Donc, je pense que je vais faire un bilan par genre de lecture. Enfin, je ne vais pas faire plusieurs bilans, mais je veux dire, je vais sortir plusieurs des livres qui m'ont le plus marqué par genre. Et ça risque de donner quelque chose d'un peu plus cohérent. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à commenter, à liker, à partager sur les réseaux. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et j'oubliais, passez un joyeux Noël. Profitez bien, j'espère que vous aurez plein de livres sous le sapin. Et profitez bien de ces moments avec les gens que vous aimez, avec vos proches, enfin avec qui est important pour vous. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.